Bachelière à Saint-Martin au lycée polyvalent des Îles du Nord. J'ai eu un bac scientifique. J'ai fait à Saint-Martin un BEP électrotechnique au lycée polyvalent. J'étais ici en première et en terminale aussi dans les Nouvelles-Lyon. J'ai eu la chance de faire mon bac ES et en parallèle passer le concours Sciences Po, c'est l'atelier Sciences Po au lycée. J'ai eu mon bac en 2006, série littéraire. Je suis d'abord passé par la classe de STT, en ce moment-là on appelait ça sans trop travailler ou sans trop de travail. Je sais plus comment. Un bac pro, je ne l'ai pas eu ça, et après l'école m'a regardé et m'a dit « on vous pique pas ». Alors ça, c'est devenu très dur parce qu'il fallait que je trouve quelque chose vraiment à faire. J'ai pas réussi à m'y faire à la métropole. Du coup, au bout de 3 ans, quand j'ai eu ma licence, j'ai décidé de rentrer à Saint-Martin, d'essayer de partir au Canada. J'ai pas été acceptée, du coup j'ai décidé de partir en année sabbatique. Malheureusement, heureusement pour moi, ma première année je l'ai réussi sans problème, mais j'ai échoué la deuxième, la troisième et la quatrième année de droit. C'était grâce à la matière physique-chimie que j'ai eu mon bac. Je me dis, bon, c'est pas si bien, je pars avant ça. J'ai aidé, à ma troisième année, je me suis rendu compte que c'était pas bon. J'ai poursuivi avec un BTS tourisme que je n'ai pas obtenu. Oui, je n'ai pas obtenu. Parce que c'était pas mon truc. Je voulais partir loin des parents et être avec mes amis. Donc je suis partie en France. J'ai trouvé une école en France à Mantes-la-Jolie, les Yvelines. Mais je ne savais pas que l'école était payante. Ouais. Donc il fallait trouver un travail. J'ai trouvé un travail en tant que serveuse dans un restaurant chinois. Vous vous rendez compte? La seule vague dans un restaurant chinois. I fail once, I fail twice, I fail two times, I fail actuel. Avec tout ça, aujourd'hui, moi je suis auxiliaire de gériatrie. Je suis médecin gynécologue en France. Aujourd'hui, je suis administrateur hospitalier à la direction des ressources humaines. Je suis infirmière aux urgences. Je suis responsable de projet dans l'aéronautique. Puis arrivé en métropole, j'ai gradué, j'ai obtenu tous mes diplômes. On demande toujours de viser les étoiles, hein, parce que même si on échec, on atterrit sur la Lune. On a des sensations d'échec aussi, mais on s'est tous débrouillés pour renaître de nos cendres. Allez-y, les jeunes, foncez, partez, poursuivez vos études. Il n'y a pas que la France, il y a aussi toute l'Europe, il y a le Canada, il y a l'Amérique du Nord. Donnez-vous cette chance de pouvoir continuer vos études. Alors, moi, je passe un bac ES cette année. Et j'ai toujours pensé que si on passait un bac économique et social, on ne pourrait pas faire médecine. Mais aujourd'hui, grâce aux intervenants, je me suis rendu compte que si. Donc à la fin de ma terminale, je vais partir en France métropolitaine et je vais tenter le concours de première année commune aux études de médecine et je vais le réussir. Bonjour et donc bienvenue à la première édition de Project SXM. C'est un excellent événement qui a été organisé par Jamie et Cécile, que je félicite. Félicarus a apporté son soutien à l'événement. On est très fiers de participer à cet événement. C'est un événement donc, qui présente les différents profils d'anciens étudiants du lycée de Saint-Martin, donc le lycée polyvalent des Îles du Nord. Et donc suite à cela, qui aide à la préparation au départ pour les études et finalement qui s'est ouvert à un forum des métiers où chacun des étudiants et jeunes professionnels qui sont donc issus de Saint-Martin ont pu échanger et interagir avec les lycéens et leur donner un petit peu un retour d'expérience sur les études supérieures.